l'aval du sénateur Jean-Pierre Bemba, parce que c'est ça vraiment la question ambiguë. Je veux te dire, mon cher, pour parler avec Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il est au téléphone en prison de tous les états du régional général. Et ce n'est pas moi qui avais avancé mon nom, ce sont les autres qui avaient arrivé à la conversation qui avaient fait mon nom. J'ai mis son attache, j'ai mis son accord. Éventuellement la Chine.
malheureusement, j'ai quand même confirmé que jamais, encore jamais, je n'ai perçu aucun dollar de quiconque. Même la petite campagne que j'ai engagée, c'était sous fond propre. Je n'ai jamais été approché par les pouvoirs, je ne suis jamais approché du pouvoir pour demander quoi que ce soit. Ce sont des accusations gratuites portées par des gens de la commune de et c'est qui demeure dans l'opposition, il y a toujours sa position. Quand ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne le résultat des élections, tu crois, les seuls organes habilités à promouvoir ou à prononcer, à procurer les résultats, c'est la CIF. Nous tous, les candidats, nous étions 11, nous avons signé un code de bonne conduite. Nous tous, candidats et partis politiques, nous avions accepté que la CENI soit le seul organe habilité à faire les élections. Maintenant, après ces perceptions, il est donné à l'ordre des noces. Mais en ce qui concerne ce qui s'est passé après, je n'ai pas cité les noms de quiconque convaincu, j'ai dit que c'est un petit vainqueur. Ça pouvait être tel ou tel autre. Mais ce n'est pas, c'est par élégance politique. Puisque même si vous avez une histoire de l'humanité, depuis l'époque des Romains, lorsqu'il y a affrontement, on met la loi de tout le monde, lorsqu'il y a un combat des boxes, après le pugilat, l'élégance politique exige qu'on fasse des petits sens. Qui aurait gagné, quelle que soit la manière que nous en sommes aujourd'hui. Je pense que je suis expressément telle personne pour avoir remporté une élection libre et transparente. Là, c'est faux et acheté. Aujourd'hui, si vous suivez la presse internationale, nous avons encore signé une déclaration qui joue le droit de nous moi-même pour demander l'annulation des scrutins. Alors, non, je ne vais pas signer ces documents. Mais malheureusement, les autres documents de l'opposition ne sont qu'en retard. Mais le débat aujourd'hui n'est pas à ce niveau-là. Le débat que vous devez vous écouter, vous devez mettre sur la table, pourquoi l'opposition n'a pas pu signer pour gagner l'élection ? À qui est lié la faute ? Personne n'a le droit de définir le droit des sanctions. Qui a le droit de définir la stratégie de la canadienne unique ? Depuis longtemps. En ce qui concerne votre participation, oui, vous avez raison, nous avons eu le mal.
ce n'est pas évident. Donc, vraiment, je voudrais viser à ce qui concerne la population qui est éducative. Voilà, alors merci beaucoup, monsieur Adam Bombolé. Je pense que on va essayer d'éditer et puis de publier cette interview qui va clarifier.